La majorité d'entre vous connaissent ou pratiquent cet art. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit donc de se costumer comme un personnage fictif et d'interpréter ce personnage. Donc ainsi, cet art mélange donc compétences techniques, si vous choisissez de réaliser votre costume, et théâtre. Donc j'insiste sur le fait que tout le monde peut faire du cosplay et qu'il ne faut surtout pas avoir de préjugés. Aujourd'hui, il est question de concours cosplay. Et qui dit concours cosplay dit réalisation de costumes. Ainsi, tous les cosplayers que vous allez pouvoir admirer sur scène ont réalisé eux-mêmes leurs costumes. Ils seront donc notés à la fois sur la réalisation de leurs costumes et sur leurs prestations. Donc l'association Lady Lune qui anime donc ce concours cosplay est une association d'art créatif. Nous réalisons nos costumes ainsi que tous nos décors sur différents univers de pop culture, historique, etc. Et donc nous sommes présents sur des conventions pour vous proposer donc diverses animations comme aujourd'hui l'animation d'un concours cosplay ou hier un show cosplay. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur notre stand à 3. Je vais maintenant présenter notre prestigieux jury de ce concours cosplay. Et donc, je vais tout d'abord demander à Etistia de venir sur scène. Donc, Etistia est cosplayeuse et costumière professionnelle et elle a fondé l'association Lady Lune avec un groupe d'amis en 2013. Depuis ce jour, elle est présidente de cette association. Et je veux un tonnerre d'applaudissements pour Etistia, s'il vous plaît. Et bien, maintenant, nous allons accueillir sur scène Carlos 3D. Est ingénieur électromécanicien et spécialisé en modélisation et impression 3D. Cosplayer et créateur, il réalise des tutoriels sur différentes plateformes. Et donc je veux un tonnerre d'applaudissements pour Carlos 3D. Et bien maintenant, je vais demander à Cutie de venir nous rejoindre sur scène. Cutie a été vice-championne de la Coupe de France de cosplay en 2019 avec son magnifique costume Dread Queen tiré du jeu vidéo Monster Hunter. Elle a également représenté notre pays lors de la compétition internationale Cosplay League en 2022. On applaudit bien fort Cutie! Et maintenant, nous allons accueillir notre chère Nikita. Depuis 2006, elle a réalisé à ce jour plus de 130 costumes. Elle a été championne de l'European Cosplay Gathering en 2015.
et de la Clara Cause Cosplay Cup en 2017. Elle a également écrit un livre pour guider les débutants qui souhaitent se lancer dans l'art du cosplay. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Nikita! Le jury est maintenant au complet, donc vous pouvez aller vous installer.